À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, le Chinese Business Club a organisé lundi 9 mars un déjeuner avec la célèbre actrice d'origine italienne Monica Bellucci comme invitée d'honneur. Bonjour, aujourd'hui bienvenue au Chinese Business Club. Nous sommes le lundi 9 mars, nous sommes à Paris au pavillon Potel et Chabot et nous recevons Monica Bellucci en invitée d'honneur à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Aujourd'hui au Chinese Business Club, on a plus de 100 marques qui sont membres du club. On se réunit à peu près une douzaine de fois par an à Paris. L'idée, voilà, c'est de faire du business entre les Chinois et les Français tout au long de l'année à Paris. Et c'est très efficace pour développer, comme disent nos amis chinois, le Guanxi. Monica Bellucci, icône du cinéma et de la mode, a reçu le prix de la femme de l'année 2020. Je suis vraiment honorée de cette invitation pour célébrer la Journée internationale de la femme. Moi, je pense que les femmes doivent prendre en main leur destin. On ne doit pas simplement se plaindre, on ne doit pas simplement demander de l'aide. Il faut aussi que chacune se sente responsable d'elle-même. Et notre rôle à nous politiques, ou à nous femmes qui avons eu la chance finalement d'occuper des postes importants, c'est de dire à chacune, eh bien oui, vous pouvez le faire. Ce que nous avons fait, vous pouvez aussi le faire. Et notre rôle, c'est aussi d'aider, notamment les jeunes filles, à se dire que le monde leur est ouvert et que finalement, leur vie sera ce qu'elles voudront en faire. L'actrice et mannequin italienne s'est entretenue avec Mandarin TV. Bonjour Monica Bellucci. Ma deuxième question est la suivante. Quelle est votre vision de la femme chinoise et comment voyez-vous la Chine ? Alors, j'étais en Chine juste vraiment une fois. Je suis allée à Shanghai et à Pékin. Et je n'ai pas eu le temps vraiment de rentrer dans la société vraiment et comprendre. Tout ce que je peux dire, c'est que pour ce qui concerne les cinémas, j'ai beaucoup de respect pour de grands réalisateurs, par exemple John Woo, Ang Lee, Wong Kar-wai, que j'ai eu la possibilité de rencontrer personnellement parce que j'étais comme membre à Cannes dans le jury. Et du coup, lui, il était le président du jury à cette époque. Et j'ai rencontré un homme très sensible, un grand artiste, un homme qui était très respectueux. Et à cette époque, j'ai aussi rencontré Zanzi, grande actrice et femme très, très intelligente et voilà, avec beaucoup de talents. Et du coup, j'ai beaucoup de respect pour le cinéma chinois et j'aimerais bien avoir une autre possibilité plus tard et avoir la possibilité d'aller visiter, comprendre mieux. Je pense que les derniers 30 ans des libérations économiques chinoises ont fait si que la femme chinoise, petit à petit, puisse prendre sa vie en main. Reportage par Mandarin TV. Belle Shoes est le premier spécialiste chinois en France de la chaussure avec plus de 20 boutiques en Île-de-France. Belle Shoes propose des chaussures fabriquées à la main avec soin par ses maîtres chausseurs. Seules les matières les plus nobles sont sélectionnées puis travaillées pour réaliser des chaussures d'exception et vous offrir qualité, innovation et dernière tendance de la mode. Confort, légèreté, flexibilité et bien-être incomparable à prix abordable. Retrouvez notre large gamme de modèles dans nos magasins. Belle Shoes prend soin de vos pieds avec style. Confort Cuisine France, prestataire de solutions de placards intégrés. Conception exclusive et sur mesure. Fabrication de haute qualité avec des matériaux non polluants et résistants. Avec Confort Cuisine, placard haut de gamme pour une vie meilleure. Placard haut de gamme pour plus de confort.
placard haut de gamme pour vous faciliter la vie au quotidien.